Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom, ce nouvel épisode de Robocraft, chers amis. Donc, on repart en Team Deathmatch avec le Eagle. Hein, je vous rappelle, on se met en ce moment dans la Robocraft. Adrien, ah, encore une fois, dans la Robocraft Week. Mais non, dans les Robocraft Days, plutôt, on va dire. Moi, je préfère ce mot-là, mais pourtant, j'ai instinctivement envie d'utiliser plutôt le mot Week. C'est chiant. Je vous rappelle que ma tour est toujours en réparation. On est mardi, j'ai toujours pas de nouvelles. Donc ça commence à être saoulant, je m'inquiète, chers amis. Mais bon. Et donc du coup je continue à vous abreuvoir de Robocraft, chers amis. Pour votre plus grand plaisir. Donc on a pu entamer dans le précédent épisode le méga, hein, le robot méga. On avait acheté les méga legs. On l'avait équipé de 2 méga SMG, ce qui n'est pas suffisant, hein. Vous verrez qu'il nous faudra beaucoup plus de... d'armement méga, hein. Oh, rien fait, moi. J'y suis pour rien dans ce bordel. Spotted. Hop, on le rameute. Raté. J'aurais bien aimé la voir pourtant. Hop, et oula. That's gonna hurt. Oh, et c'est bon, je suis hors de portée, non? Ok, bref, on va redescendre. Wow. Et jusqu'où il compte me toucher, lui? Ok, on y retourne. Oh, t'es pas sérieux. Voilà, ils prennent trop l'angle, ces putains de missiles. Oh! Oh! Putain! On descend au bon endroit! Part pas trop loin aussi. C'est une bonne chose. Non! Spotted. Spotted là-bas. Ok, on y retourne. On arrive à redécoller, bien sûr. Et on va y arriver, vous inquiétez pas. Hein. Hop. Allez. 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 Ok, bon, on n'aura rien fait dans la partie. Oh, l'horreur. Bon, bah, c'est une victoire malgré tout. Hein. Oh là là, on n'aura rien fait du tout. Catastrophe. Je parle d'une victoire à 86 000. Je fais des défaites qui rapportent plus. On y retourne. Il y a des défaites qui rapportent beaucoup plus. Incroyable. Alors, parti. Non, me tire pas dessus. Parce que vous voyez, quand on voit la quantité d'armement qu'ils ont, eux, je me dis que c'est pas moi avec mon petit robot classique qui va faire beaucoup de... Regardez ça, il en a combien? Il en a 6 8 2, 4, 6, 8, j'ai l'impression.
Spotted. Wow. Spotted. Ok. Spotted. Non. Je crois que j'ai réussi à les esquiver, mais au prix de la... Hop, allez, tourne. Au prix de la mobilité de mon vaisseau. Bla. Bon bah je me suis bouffé encore dans le nez. C'est parti. Non par contre. Eh hey, oh. Eh retourne-le. Bon, t'as de la chance, il le fait tout seul. Bon, on va essayer de les surprendre un petit peu. Ok, j'ai raté tous mes tirs, c'est génial. Ok, hop. Oh! Couvre-moi, merci. Merci de me heal. Tiens, bouffe! Croche-patte, on appelle dans le métier. Vache, on a été décimé en l'espace de quelques secondes. Littéralement, il n'y a pas d'autre terme. T'es pas sérieux? Oh! Allez! Je suis mauvais, hein. Je suis mauvais aujourd'hui. C'était pas ma journée pour jouer à Robocop. C'est des choses qui arrivent, vous savez. Putain, devrait être à même de tuer quelqu'un avec une rafale. On est là pour bombarder des gens, pas pour les chatouiller. Puis vu le temps qu'on a de recharge derrière, ça devrait être un peu plus poussé. Enfin bon, c'est mon avis. Littéralement un vaisseau de combat. Hein. Par contre, de là à vous dire quel type, je suis pas. Je m'y connais pas. J'ai toujours des problèmes avec les cuirassés et les différents autres types de. De vaisseau. Et là je parle de vaisseau en termes nautiques. Hein. Vaisseau bâtiment. Bon on y retourne. On y retourne, pardon. Craquage. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On y retourne et on va refaire des kills. Enfin on va essayer d'en faire au moins un. Parce qu'on en a pas encore fait beaucoup. Mais bon. Jackson, slowly but surely. Barracuda, Super Hornet, America, donc ça c'est moi, du russe. Dodge Charger, ah bon, Noob Saibot, ça me dit quelque chose Noob Saibot. Pokémon. Noob, je vais essayer d'aller le voir. On va essayer d'aller voir le Noob Charger. Pardon, le Dodge Charger. Noob Saibot. Ah bah merde, ça commence mal. Je me gratte le dos. Oh, ça fait du bien. D'accord. Ok, c'est cool. Donc c'est perdu d'avance parce qu'en fait ça c'est notre TX. Spotted. Vous savez qu'il y en a un là-bas qui vole vers nous. C'est bizarre. Spotted.
Hop. Non. Non. Putain. T'es pas sérieux. Hop, allez, non, retombe. Parfait. Oh mais non, retombe pas dans le trou. Qu'il est con. Allez, j'en ai assez de passer mon temps dans les trous. Et oui, il y avait une connotation bizarre. Enfin oui, une connotation bizarre. Oh, mais what? Arrête de laguer comme une... Putain, mais il lag comme une truie. Mais putain, mais tu devrais laguer encore plus. Oh, la gueule. Putain, il lag... J'aime bien mon plasma arrive et il lag de 10 cm, quoi. Ah non, 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 ça c'est dégueulasse. Ça, je suis désolé. C'est absolument dégueulasse. Mais bon... C'est pas grave. Et vous savez quoi? On va aller faire autre chose. C'est pas la journée, c'est comme ça. Hein. Hop. Alors. Voilà. Là. Crac. Ok. Hop. Hop. Ça tout à l'heure pour celui-là. Hop. Hop. Ouf, je suis stupide. Voilà. Hop. Hop. Du coup là en bas c'est toujours un cube. Ok. Corrigé. Ok. C'est bon. Ça aussi. Oula, j'ai la voix qui est pas tendue 7. Ok. Voilà. Et le dernier. Ok. Maintenant. Hop. Hop. Voilà. Ok. Parfait, on est sur la même ligne, c'était prévu. Oh là, le truc est parti. Je ne sais pas où. C'est chiant. Enfin, le bruit est là et c'est vraiment saoulant d'avoir le bruit sans avoir le... entre guillemets l'effet. Enfin bon. Ok. Hop. Faire vraiment au minimum. Minimum syndical, comme on dit. Non, ça d'abord, je vais déterminer la distance qu'il me faut.
Enfin, la taille qu'il me faut. Ok. Ici, c'est parfait. Ok. C'est bon. Hop. Ok. Encore un. Hop. Voilà, ça c'est bon. Ça c'est bon. Hop. Ok. Excusez-moi, je suis encore un petit peu malade. Ça commence à m'énerver, je dois être honnête. Hop, hop, hop. Recube. Il nous en reste encore un bon paquet de flops. Ok. Ok, c'est bon de ce côté-là. Bon, maintenant. Hop. Crac. Voilà. Je repique. Hop. 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 Et hop. Ah, j'étais bon en fait, je crois que j'appuie deux fois. Bref, ok, de ce côté là on est plutôt bon. Ok, hop. Ok. Moi j'aurais bien besoin par contre d'un classique. Hop. Ça va solidifier le truc tout en le laissant entre guillemets fonctionnel. Plus solide si on se prend des tirs par dessus. Mais ça m'étonne qu'on s'en prenne. Hop. Voilà. On va appeler ça objectif solidité, chers amis. Hein. Voilà, ça peut plus vite comme ça en fait. Hop. Voilà. Crac. Et donc, en plus, ça nous permet d'avoir un poids qui est assez réduit. Maintenant, j'aimerais qu'on parle du poids, justement. De 3. 1. 2. 3, 2 de plus, 1 de plus, 1 de plus, 2, 1, et 1, parfait. Alors déjà, est-ce que là, ça vole? C'est ça qu'il faut aller voir. Est-ce que là, ça vole ou pas? Moi, je croise les doigts pour que ça vole. J'ai des doutes, honnêtement, j'ai des doutes. Oh. Je suis étonné, honnêtement je suis étonné. Honnêtement je suis étonné.
intéressant. Bon. Ok, bon à savoir. Donc il va en falloir une troisième par contre, hein, cependant, soyons honnêtes, il m'en faudra une troisième. D'accord, je gagne des points comme ça qui sortent de nulle part, mais c'est pas grave. Au contraire, ça va nous faire du bien. Donc, au niveau de l'armement, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un canon comme ça, ce qui va pas être suffisant. On a un heal. Enfin, on a du heal, pardon. On va dire un, ça vaut pas le coup. De là à ce que le heal soit efficace, oui, ça pourrait l'être. Est-ce que je peux en placer plusieurs sur un côté, sur une face? Oui. Hop. Je peux en placer un là. Ce qui m'en fait 5 au total. Même si on sait tous que le heal est pas hyper méga efficace. Le problème c'est que ça... Ah non, ça pourrait passer. Ça pourrait le faire. Alors, attendez. Qu'on fasse de la réflexion, si je puis dire. Parce que maintenant, on l'a alourdi. Hein. Faut être honnête, on l'a vachement alourdi avec cet armement. Sachant qu'il nous reste des cubes à mettre aussi derrière. Est-ce que je ferais pas mieux ? Hop. Réduire de 1 ici. Hop. Merde, j'ai oublié des cubes. Hop. Est-ce que ça passe? Ah, ça passe, c'est génial. Hop. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je repars sur le principe que c'est les 3 du bas. Hop. Du coup, je pourrais peut-être replacer tous ces cubes à l'intérieur et voir avec ce qui reste. Pour être pratique, mince, j'ai oublié cela. Hop. C'est vrai, par principe, j'ai pensé qu'ils allaient venir avec nous, mais non, même pas. Ok, alors du coup, hop, hop, hop. On est d'accord, hein. Alors là, on est à 3. Il suffit qu'il m'en manque une en bas. Voilà, hop. Parfait. L'avantage, c'est que ça le fait de l'autre côté, donc du coup, on va gagner du temps. Voir si j'aurais dû. Oui, j'aurais dû. Mince, 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 mince. Hop, merci. J'aurais dû y placer un cube et vous verrez pourquoi ce sera extrêmement important de l'avoir placé. Hop. Ici. Hop. Tant qu'on y est, autant faire les deux côtés. Hop. Ah, touche. Hop. Non. Cela. Hop. D'accord, c'est le plus bas, oui. On voit le bout. Hop. Voilà. Je peux avoir cette pièce, merci. Hop. 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 Et hop. J'ai 3 rotors au total, donc je peux me permettre de les placer tous ici. Hop. Ces 3 rotors sans protection par contre devraient être en mesure de me soulever le vaisseau comparé à l'autre qui n'était pas soulevable parce que j'avais mis une espèce d'armure autour.
En fait, il ressemblait à un drone, c'est ça le principe, hein, c'était qu'il ressemblait à un drone. Mais, hop, voilà. C'est bon. Hop. Et normalement, si je fais ça, là, ça passe. Oui, ça passe, parfait. Ça se passe même très très bien. Ok, hop, voilà. Donc là, nous avons... robot plus ou moins fonctionnel qui peut nous servir à healer ce qu'il y a en sous-sol entre autres choses. Nous avons 9 cubes restants, ce qui veut dire qu'on a 3 surfaces sur lesquelles on pourrait 1, 2, 3. Pourquoi je mets tout ça à l'avant? Parce que si comme on a la plus... enfin même pas, c'est même plus le cas normalement. Mais comme on n'a rien à l'avant et qu'on a un truc à l'arrière, on va avoir tendance à piquer du nez. Donc si je pique du nez, ça permettra d'alléger l'avant. Donc de réduire le mouvement vers l'avant. Ça, ça pourrait ne pas être trop mal. Non, c'est pas celui-là que je voulais comme cube, c'est plus celui-là, merci. Hop. Là aussi, on va essayer d'économiser un petit peu l'espace. De la même manière. Hop. Enfin le poids, surtout le poids qu'on veut économiser en fait. Soyons honnêtes. C'est surtout le poids qu'on veut économiser. Si on est trop lourd, ça va être catastrophique. Ah oui d'accord, oui c'est bon. C'est moi qui suis dans la colle, excusez-moi. Hop. Voilà. Crac, crac. Toujours la même... comment appeler ça? Le même schéma entre guillemets. Hop. Ok, bon. Est-ce qu'on peut augmenter la taille du schéma un petit peu pour essayer de réduire un maximum les dégâts en cas de pépin? Voilà. Ok. Hop, ça c'est fait. Ok. Bon. Alors, est-ce qu'on refait un test de vol? Sûrement, on devrait. On devrait. Bon. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi c'est une catastrophe quand je fais un épisode de montage. Enfin un épisode de construction. Le montage dure environ 2h30. Hein, s'il n'y a pas de problème pendant le montage. Donc voilà. Ouah. Bon. Alors déjà physiquement, ça a de la gueule. Il s'envole. Disons assez bien. Le canon ne tire pas vers le bas. On va y penser, ce qui veut dire qu'on devra maintenir une altitude inférieure à chacun de nos ennemis pour s'assurer en fait de notre capacité à les dégommer. Ce qui est une bonne chose parce que ça s'accouple bien avec le côté où il faut être très très proche des alliés pour les healer. Donc de ce côté là on a une bonne chose. Ok, maintenant est-ce qu'on peut pas améliorer d'autres choses? Hop, c'est cool, je peux y rentrer comme je veux dedans. Est-ce qu'on peut pas améliorer quelque chose? Par exemple, l'armature, c'est une très bonne idée. Par contre, j'ai perdu le sens du coup du robot. Ok, donc c'est pas comme ça que j'aurais dû les mettre, j'aurais plus dû les mettre comme ça. À l'avant, ça ne fait plus aucun sens. Ok, c'est pas grave. Voilà. Ok, mouvement. Si on le voulait, on pourrait. Haha. Ça, ça peut être pratique. Et en cas de pépin, il faudrait qu'on puisse monter aussi. Ouais. Ouais. Ici.
Est-ce qu'on peut rajouter des tout petits? Faut vraiment rajouter des tout petits qui seront pas extrêmement utiles, donc non. Du coup, on peut se permettre de couvrir l'endroit, comme on l'a fait pour le reste, hein, je rappelle. Hop. Hop. Il n'y a plus qu'à le faire à l'avant. J'espère honnêtement qu'il sera efficace. Je pense qu'il le sera, hein, compte tenu de sa configuration. Je pense qu'il le sera. Hop. Voilà. Parfait. Alors, est-ce qu'on peut rajouter des choses? Par exemple. De quoi le protéger? Est-ce que c'est faisable, ça? Peut-être un petit peu short. Ça, ça passerait ou pas? Non, ça passerait. On va dire, j'aurais espéré que ça passe. Peut-être que ça pourrait passer dans un autre côté. Non, pas du tout. On va essayer, hein. C'est comme ça qu'on va faire, hein. Hop, tout simplement, des fois, hein. Compte tenu qu'on se fera plutôt attaquer de face, est-ce que j'aurais pas plus de... Oula, de le placer ici, plus de raison de le placer ici. Alors forcément, oui, c'est dans un sens comme dans l'autre, c'est bon, mais... Voilà, et là, ça protège assez bien. Je dois reconnaître que je suis assez content que ça protège comme ça. Ici, est-ce que je peux placer... Là, je peux en placer. Ah, Nathanas CPU, d'accord. Ok, pourquoi pas. Donc j'ai plus de quoi en placer deux. Ah, bon, bah écoutez. On n'aura qu'à dire que c'est bon. Ce que je peux faire, c'est placer un schéma aussi ici. Si je place un schéma, je devrais être en mesure de rendre le véhicule un peu plus performant. Non, c'est des conneries. C'est des conneries ce que je dis. Parce que j'ai rien à l'extérieur. Si je commence à péter l'avant, c'est catastrophique. Parce que sinon, je vais perdre tout l'hélium et il va pouvoir traverser. Donc non, ce serait une catastrophe. Ce serait une catastrophe. Est-ce qu'on peut pas rajouter un ou deux piliers à l'intérieur? Ce sont les dernières choses que nous ferons. Et j'ai plus les petits. Oh la vache, j'ai plus de shorts. C'est incroyable ça. Je vais en rajouter une dizaine. On est pauvre en ce moment, chers amis. À cause du méga, on est pauvre. Est-ce que ça touche au moins? Apparemment, oui. Oui, ça touche. On a envie de s'emprisonner dedans. Blablabla. Hop. Voilà. Normalement, il est rendu un peu plus solide. On verra bien si c'est le cas ou pas. Tant que j'en ai pas rajouté là, c'est parfait. C'est bon. Ok. Hop. Eh bien, écoutez, les amis, on va se laisser là pour cet épisode et on l'essayera dans le prochain. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Perum dans Patrouille dans la mer de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner, ce sont d'excellents moyens que vous avez pour me faire connaître, les amis, et je vous en remercie. Encore une fois, merci à vous pour votre sympathie. J'espère que cette petite semaine de Robocraft vous plaît. Bon, bah, moi, ça me plaît, mais il y a un mais, c'est forcément le fait que j'ai pas d'informations de ma touche, ça m'inquiète. On verra ça encore une fois. Dès que j'aurai des informations, je vous tiendrai au courant. Hop. Cette peinture. Ah non, ça ne sera pas peint. S'il te plaît. Merci. Hop. Hop. Normalement, c'est bon. Eh ben écoutez, les amis, c'est bon. Tout ça me semble parfait. Eh ben on va se laisser là. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yo!